Hey, 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 hey! Qui es-tu? Je suis en train de parler! Comment es-tu entré ici? Non, non! Ce que tu as fait, c'est inacceptable, maman! Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas accepter, ce n'est pas à toi de me chercher une femme, maman! De toute évidence, tu es incapable! Tu es incapable de te trouver une femme! Maman, je peux le faire moi-même et à mon temps! Quel genre de mère je serais, hein? Peux-tu me dire? Si à 40 ans, 40 ans, tu reviens avec les mêmes excuses et toujours pas de femme! Cet homme qui a presque 40 ans est un bosseur, maman! Et c'est pourquoi je juste m'asseoir et chercher une femme, je travaille! Je voyage, je fais les choses, maman! Et c'est pour ça que j'ai décidé de t'en trouver une moi-même, d'accord? Quoi? Oui! Cette chose que tu as apportée chez moi, tu ne peux même pas construire une phrase. Cette chose... Vraiment? Je vois que tu as vraiment le temps pour te trouver des belles femmes civilisées. Tu as passé la moitié de ta vie ici. Où est la femme? Où est celle que tu as civilisée? Où est-elle? Moi, je veux juste une femme. Regarde, maman. On ne doit pas arriver à ce point. Quand? Ça ne doit pas arriver au point, nous sommes obligés d'élever le temps. Quand? Je suis vraiment désolé si mon retard te blesse, mais je vais trouver une femme, maman. Quand? Bientôt, bon moment, juste. Quand? Laisse-moi le faire à ma façon, maman. À quel moment? Quand? Quel moment? À mon rythme. À ton rythme. T'es qu'à des femmes de leur famille. Ils ont des enfants et toi, mon fils. Mon premier fils. Jésus. Je ne peux pas me faire sa mère. Je veux juste une femme, c'est tout ce que je demande. Une femme avec. Avec beaucoup d'enfants. Franchement, allons-nous faire ça aujourd'hui, maman? Tu es mon premier fils, mon tout premier fils. Donc tu dois me comparer à mes cadets à chaque Moi, fois. Je veux juste une femme. Juste une femme. C'est tout ce que je demande. Je ne ferai pas ça aujourd'hui. S'il te plaît, maman, je te laisserai pour me comparer à quiconque, pas aujourd'hui. Veux-tu commencer à avoir des enfants lorsque tu seras un grand-père? Vas-y, demande-lui. Demande-le-lui parce que je suis déjà fatiguée. Une femme, calme-toi et laisse parler. Tonton, merci beaucoup d'avoir cherché du temps pour venir parler de ceci avec ma mère et moi. Mais c'est vraiment, vraiment très triste que ma mère a choisi de t'arracher à ton emploi de temps très chargé. Je suis sûr que tu as des affaires très urgentes qui requièrent ton attention. C'est une affaire de famille très importante. C'est pour ça que je suis là. Et nous devons parler, fiston. Écoute, y a-t-il un problème? Parle-moi, je suis là pour toi. Tonton, tout va bien. Es-tu sûr que tout va bien? Pas du tout de problème, je vais bien. J'en doute. Tonton, je vais bien, fais-moi confiance. J'ai juste... Je n'ai pas juste encore trouvé mon genre de femme. Tu n'as pas encore fait quoi? Trouver? Avec toutes ces belles filles qui sont dans la ville? Voilà. Tonton, je comprends l'inquiétude de ma mère. Je sais que je n'ai plus l'âge, mais je n'ai pas juste trouvé le genre de femme qui fait battre mon cœur. Quand cela arrivera, je vais fonder une famille. Tonton, en toute honnêteté, je pense que cette affaire n'est pas vraiment sérieuse telle que ma mère veut le faire paraître. D'accord, nous irons bien. En es-tu sûr? Oui, je suis sûr. Et si ça ne te dérange pas, tonton, je dois m'en aller. J'ai une importante réunion. Je n'en, ça fait pas longtemps que tu es là. C'est une injure. J'étais déjà dehors quand ma mère m'a appelé pour me faire comprendre que tu es là et j'ai tout abandonné pour venir causer avec toi. Je suis désolé si ça a l'air d'être méprisant, mais c'est une réunion importante et je dois partir. S'il te plaît. D'ailleurs, je ne peux pas me permettre de ne pas te donner quelque chose. Pour le transport, je veux dire, tu pourras ajouter ceci à ce que tu as déjà pour le carburant. Oh, mon fils Michael, merci beaucoup. Ouais, y a pas de quoi. Que cette conversation ne te tracasse pas, ok? Si bon. Je vois, c'est toujours difficile pour les femmes de comprendre. C'est bon, je vais le faire comprendre. D'accord, fiston, passe au bon du nom. Tonton, s'il te plaît, mon bonjour à la famille. Je le ferai. On s'appelle. Bye. Bye.
Et toi, dis-moi, qu'est-ce qui vient de se passer? Femme, le jeune homme a pris sa décision. Il a pris sa décision. Et je sais qu'un jour, il réagira. C'est toi qui parles ou c'est cet argent dans ta poche? Bien sûr, c'est moi. C'est moi. Ok, c'est bon, rentre chez toi. T'en fais pas, ton fils fera la bonne chose au bon moment. Oncle, rentre chez toi. Rentre. Je suis sûr que tu as gagné ton salaire pour la journée. C'était bon, merci. Tu veux que je parte? Tonton, rentre. Pas, rentre, non. Merci, infiniment. Ce n'était pas nécessaire de t'appeler en premier lieu. Pour voir de l'argent. Maman, tu es encore réveillée? Je n'ai pas pu dormir. Je n'ai pas pu dormir. Maman, c'est quoi le problème? Tu es le problème, non? Michael, c'est toi mon problème. Tu es mon problème. Moi? Oui. Michael, je suis ta mère. S'il existe quoi que ce soit qui te tracasse, dis-le-moi. En dehors du Tout-Puissant, en dehors de lui, je suis la seule. Il n'y a personne d'autre. Sauf si je m'informe que tu as une autre mère ailleurs. Si ce n'est pas le cas, alors dis-moi, quel est ton problème? Maman, je croyais qu'on avait déjà parlé de ça. Pas de cette manière. Non, on l'a fait. Et il n'y a toujours pas de différence. Maman, il n'y a aucun problème. Alors pourquoi? S'il y a un problème, que Dieu m'en préserve. Pas comme si on le demandait. Je te le dirai. Écoute, ce que je peux te demander, c'est une petite amie. Je m'en fous qu'elle soit une personne de Gavantia. Même si cette fille vient de Bania. Ou encore du Niger. Même si cette personne est une sugar femme. Juste une femelle. Juste une. C'est tout ce que je demande. Laisse-moi au moins voir une femme avec toi. Maman, je croyais qu'on en avait déjà parlé. Pas de cette manière. Nous l'avons fait. On en a parlé maintes fois, maman. Maman. Quoi? Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Oui. Et tu sais que je m'inquiète pour ta santé. Je le sais. Et tu sais qu'il fera jour bientôt. Tu dois dormir. Comment je peux dormir? Ne me renvoie pas comme ça. Ne je me renvoie, te renvoie pas du tout. Ne le je fais te pas. Renvoie pas, maman. Mais nous avons déjà parlé de ça. Tu veux juste revenir dessus. Et ce n'est pas bon, maman. Regarde. S'il y a un problème, que Dieu nous en préserve. Je te le dirai. D'accord. Je vais trouver une femme. Au bon moment. C'est tout ce que tu as trouvé à me dire? Bonne nuit, maman. Va dormir. Ne t'en fais pas. Quand je vais mourir de l'hypertension, tu sauras. Quand l'hypertension me tuera à cause de toi, tu sauras. Je vais partir. Je vais aller dormir. Assez peur, mes égos dorment. Bonjour, mon père. Oh, Michael, comment tu vas? Je vais bien. Je me porte bien. Mon père. J'espère que je n'ai pas fait en sorte que tu rates quelque chose d'important. Oh, mon père, ceci aussi important, si nous devons le regarder de cette façon. Être assis là et parler avec vous est une bénédiction. Alors, le moment où vous m'avez appelé, j'ai décidé de venir.
Mais j'espère aussi qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Juste que ta mère vient de partir d'ici. Vraiment? Oui, et elle était vraiment inquiète. Elle était dans une situation vraiment terrible. Et elle vous a dit que c'était quoi le problème? Rien d'autre, à part ton refus de prendre une femme. Vraiment? Mon père, pardonnez-moi, je n'arrive pas à croire qu'elle va aussi loin. Je veux dire, ce n'est vraiment pas un problème, c'est juste un petit problème de famille que nous allons résoudre. Ne vous en faites pas pour ma mère, elle est juste. Cette femme est juste dramatique, mais nous irons bien, vraiment. Michael, je pense que ces inquiétudes sont justifiées. Je veux dire, te regardant, tu réussis vraiment dans ta carrière. Et ce qui te manque, c'est une femme à tes côtés. Alors je me demande, qu'est-ce qui peut bien t'en empêcher? Eh bien, mon père, avec tout le respect que je vous dois, je crois que cette affaire, si on la met de cette façon, est dépendante du choix, vraiment. Je ne l'ai pas encore trouvé. Vous voyez, je n'ai pas encore trouvé mon genre de femme. Vous savez comment c'est le moment de changement. Les femmes deviennent, je ne sais pas, au fil du temps. C'est plus que risqué, c'est un long chemin. Il faut être prudent pour savoir qui on prendra pour femme. Tu dois garder les yeux ouverts. Peut-être que je suis juste inquiet. Peut-être que j'ai peur, mais c'est bon. Mais alors, tu ne peux pas laisser la peur te faire le mauvais choix. T'empêcher d'essayer. Oui, c'est vrai. Peut-être parfois je suis submergé par le travail, vous voyez. Et en tant que jeune homme, j'essaye de m'assurer de sécuriser le futur pour ma famille. Michael. Je dois voyager, je dois travailler, Michael. je dois, vous voyez. Tout ceci ne sont que des excuses. Et d'ailleurs, si t'es incapable de trouver une femme là-dehors, qui soit de ton rang social, tu peux toujours venir chercher dans l'église. Je veux dire, nous avons un bon nombre de jeunes filles qui sortent des familles chrétiennes, que je pourrais, si tu le voulais, te recommander. Ok, je vais y réfléchir, mon père. Je vais y réfléchir. Je crois que tu dois vraiment y réfléchir. D'accord, sinon je n'aurai pas d'autre choix que de continuer d'annoncer dans chaque bulletin du dimanche que tu ne voudrais pas te marier. Non, franchement. Vous ne ferez pas ça, mon père. Eh bien, j'espère que tu vas vraiment y réfléchir là-dessus. Je le ferai. Je vais réfléchir dessus. D'accord. Je ne vais pas te perdre encore beaucoup plus de temps. Je me suis dit qu'il fallait que je te parle. C'est bon. Je suis content d'être ici. Comme je vous l'ai dit, c'est une bénédiction pour moi. Mais maintenant que je suis ici, je ne suis pas du tout pressé, hein. Eh bien, arrête de donner des excuses. J'espère que tu vas vraiment y réfléchir. Je vais réfléchir, mon père. Je le ferai. Tu le promets? Je le promets. Bien. Pas de soucis. Je sais que tu es vraiment très occupé et je suis sûr que tu as deux ou trois choses à... Bonsoir. Maman? Bonsoir. Tu vas bien? Maman? 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 Quoi? Qu'est-ce que c'est? Où vas-tu? En quoi ça te regarde où je vais? S'il te plaît. Attends. Un instant. Qu'est-ce que c'est, maman? Qu'est-ce que c'est? J'attendais juste ton retour. Je suis vraiment fatiguée. De c'est quoi? Bon. De quoi tu es en train de parler? Je suis fatiguée de jouer en même temps ta mère et ton épouse. S'il te plaît. Ah, ok, je vois de quoi il s'agit, ok?
C'est bon, ok? Arrête de jouer les deux rôles. Est-ce que tu peux au moins repartir dans ta chambre? Nous en reparlerons plus tard, maman. Je suis fatiguée de rester ici. Je ne dormirai pas ici cette nuit. Maman, est-ce que tu peux arrêter? Maman, ce n'est même pas possible pour toi de sortir d'ici ce soir. Il se fait déjà tard. Il n'y a pas de vol pour rentrer à l'Est. Et il est 17h passé. D'accord? Et c'est quasiment impossible que tu voyages par route ce soir. Ça n'arrivera pas. Je ne peux pas te laisser voyager même par route. Même s'il faille partir par avion, je partirai. J'en ai marre. Bien, si tu dois partir, est-ce que nous pouvons moins en parler? Si nous ne trouvons pas de solution, demain matin, la première heure, tu pourras partir. Je pars maintenant, même s'il faille que je prenne l'avion. Laisse-moi partir. D'accord, bien. Tu vas devoir me passer dessus. Hein? Tu vas devoir me passer dessus, maman. Michael, laisse... Laisse-moi partir. Tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Je ne dormirai pas ici ce soir. Tu dormiras ici ce soir, maman. Tu n'iras nulle part. Maman, est-ce que tu peux arrêter ce cinéma et... Allons à l'étage. Ah, oh, bonsoir. Michael. Bonsoir, mon comment père. Tu te portes? Je vais très bien. Comment va le boulot? Bien. C'est bien que tu sois là. Voici Emily. Emily, Michael, celui dont je t'ai parlé. Ah, salut Emily, comment tu vas? Je vais bien, merci. Alors, super. Et le travail? Bien, merci. Je suis vraiment désolé de n'avoir pas pu assister à la messe. Tu es un homme occupé et je le sais. Ah. Il y aura toujours une autre fois. Allons dans mon bureau et on pourra en parler. Ah, ça. T'es vraiment très élégant. Vous n'êtes pas mal non plus. C'est la grâce du père. Que pouvons-nous faire d'autre? J'ai vu ta mère l'autre jour, elle est venue pour me voir. Tout ce que j'ai, je rends grâce au père. Honnêtement, j'étais très loin d'imaginer qu'il devait être comme ça. Il a quelque chose de différent. Différent? Oh oui. Comment? À cause de l'homme impliqué. Alors, qu'en est-il de l'homme impliqué? Eh bien... Il a l'air cool et intéressant. Oui, et j'ai l'impression qu'il fera un bon partenaire. Ouais, il est du genre causant. Il est du genre qui fait plus d'action. Oh. Il est doux, timide. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dis. Ma puce, vas-y doucement. T'as l'air d'une lycéenne amoureuse. Écoute, tu dois te maîtriser avant de foirer celui-ci. Tu crois que j'ai l'air désespérée? T'es désespérée. Eh bien, ce n'est pas facile d'être à ma place. Si tu le dis, alors, que vas-tu mettre? Ça, neuf. J'ai fouillé toute, absolument toute ma garde-robe. Je veux un truc, je veux pas d'un truc que j'ai déjà porté. Je veux un truc nouveau, quelque chose de spécial. Ouais, donc nous devons sortir pour aller acheter un truc. Donc, nous irons faire du shopping? Ouais. D'accord, très bien. Pas de soucis. Je veux un truc qui me donnera beaucoup de peps. Franchement, copine, je ne t'ai pas vue dans cette humeur pendant un très long moment. Nous devons aller chercher une Calme-toi, détends-toi. Ok, ok. Je sais que ça fait très longtemps. T'inquiète pas. Laisse-moi finir avec ça. Mais il est vraiment cool, grand et mignon. Meuf, j'ai hâte que tu y ailles.
Attends, Emily, oh. Emily. Quelque chose ne va pas. Attends un instant. Viens. Écoute, Emily, je veux juste que nous fassions bien les choses. D'accord, je veux que nous fassions les choses bien. Je veux que nous allions doucement. Tu sais, peut-être ralentir un peu. Juste faire bien les choses. Ok. Je ne suis pas comme ça. Tu veux qu'on arrête ou quoi? Non, pas du tout. Pas, non, pas exactement dans ce contexte. Je suis un homme, tu vois. Je suis un homme qui a de forts principes et croyances. Dont l'une de mes promesses à Dieu, c'est de rester célibataire. Jusqu'à ce que je me marie. Regarde, je sais que ceci pourrait peut-être sembler égoïste, mais s'il te plaît, je t'implore de comprendre. C'est bon. En fait, je suis vraiment impressionnée. Je suis impressionnée d'entendre cela de toi. Il faut vraiment être un homme qui a la crainte de Dieu pour prendre une telle décision. Et s'y tenir. Merci. Merci beaucoup de m'avoir compris. Merci. Viens par là. Père éternel, nous te remercions pour tout ce que tu fais. Tu es le créateur et le gardien de notre destin. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Qui pourrait se comparer à toi? Je prie ce matin afin que tu puisses donner la compréhension à quelqu'un de comment toi tu rends juste les êtres humains et toutes choses qui concernent ton royaume au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions ce matin afin que ton dessein s'accomplisse dans chacune de nos vies ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes dans ta présence ce matin et continuons de te demander, Père, que ce jour que tu nous as permis de voir soit un témoignage pour chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, en ce qui concerne nos plans, nous nous soumettons entièrement sous ta grâce, parce que nous savons qu'elle enseigne toutes choses, et que nous évoluerons selon ce que toi tu as prévu dans ton éternité, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous Amen. Te rendons gloire, parce que nous savons que tu es fidèle, et que tu nous as même déjà répondu avant que nous ne puissions demander quelque chose, Père, aussi longtemps que c'est fait en ton nom. À toi revient toute la gloire, Père. Amen. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié.
Amen. Mais nous te rendons grâce, Dieu, trois fois saint. À toi toute la gloire, à toi toute la puissance. Tu ne le croiras pas. Je suis encore choquée. Bien sûr, il a dit qu'on devrait attendre jusqu'à la nuit des noces. Et ce n'est même pas le plus récent. J'étais sur le point de m'en remettre quand ce matin, je me suis réveillée et je l'ai vu prier. Meuf, c'est sa voix en fait qui m'a poussée à me réveiller. Je l'ai rejoint et il a dirigé la prière tout au long. Mis à part le fait qu'il prie, je n'ai jamais vu un homme qui prie aussi bien. Cet homme peut en fait ouvrir son propre ministère. Je suis sérieuse. Ok, nous allons en parler plus tard. Je dois aller faire le petit déjeuner. D'accord. Bye. Franchement, je pense chaque mot de ce que j'ai dit. Vraiment? Le regarder diriger la prière ce matin était comme... Je ne sais pas, c'était comme... Comme la crème sur le gâteau. Attends, attends. Tu veux dire qu'il est prêt à attendre jusqu'à la nuit des noces? Il prie. Intensément et ouais, très bien. Oui. Meuf, tu viens de me redonner de la chance. Anderson va devoir remonter le cap. Quoi? Honnêtement, je n'arrive pas à croire que je suis au milieu de... toutes ces merveilles. Oh, ma puce, je suis si contente pour toi. Merci. Croire que j'étais prête à tout accepter, juste pour avoir le titre de madame et rester à l'amour. Voyons, tu le mérites vraiment. Merci. Viens là, viens, je suis si contente pour toi. Maintenant, allons là-dedans, évidons cette pratique. Ouais, tu sais que c'est ce que je veux. C'est ce que je connais. Franchement. Qu'un homme est prêt à attendre. Il est autre chose. Dans cette époque. Vraiment, genre. Mais bon. Bonne arrivée, mesdames. Oui, oh, merci. Vous pouvez l'ouvrir votre sac? D'accord. Regarde-toi. Tu es belle. Attends, j'ai mal au bras. Pourquoi tu cries comme ça? Ne me dis pas que non, je... Non, voyons, tu ne l'es pas. Tu as un poids normal. Eh bien, je suis vraiment excité, je t'assure. Je veux dire, regarde-toi. Hein? Oh, mon Dieu. Je suis content de l'avoir fait. Je t'aime tellement. Bien que je sois excité, je n'arrive pas à croire que nous soyons ici. Pour être honnête, je veux dire, c'est comme si c'était hier que le prêtre nous avait introduits. Et nous voilà aujourd'hui. Mariés. Mariés, femme. Heureux. Et je t'aime. Je t'aime encore plus. J'aimerais que tu saches que je te donnerai le meilleur à chaque fois parce que tu fais battre mon cœur d'une façon très spéciale, je veux dire. Je suis très sérieux. Merci. Arrête, tu vas me faire pleurer. Tu le devrais, hein. Merci d'être ma femme. Merci d'être mon époux. Je t'en prie. Eh bien, je suis épuisé. Tu vas bien? Juste un peu épuisé, étourdi. Tu peux me rejoindre? Pouvons-nous faire une dernière danse? Tu peux faire ça pour moi? Oh oui, bien sûr. C'est bon? Tu es sûr que tu peux le faire? Je peux le faire. Embrasse-moi. Laisse-moi t'apporter de l'eau. D'accord, j'attends. Oh.
Ne me dis pas que tu dors déjà, s'il te plaît. Allez, voici ton eau. Réveille-toi. Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi. J'arrive pas à y croire. Bonjour, bébé. Tu ne m'as pas dit que c'était déjà le matin? C'est déjà le matin, tu ne m'as pas dit. Mais pourquoi? Michael. Quoi? J'ai envie de toi. J'ai aussi envie de toi, bébé. Mais regarde, je... C'est le matin et je dois partir. D'accord? Attends. Mais ça peut attendre. Non, ça ne peut pas attendre. Regarde, il y a quelque chose de très important au bureau et je dois m'en charger. S'il te plaît, comprends-moi. Mais je suis ta femme. J'ai envie de toi, chérie. Le bureau peut attendre pour l'instant. Écoute, mon cœur. J'ai envie de toi. Plus que tu n'en penses. D'accord. Mais si nous le faisons maintenant, je serai complètement épuisé pour le reste de la journée. Et ensuite, tu verras encore une autre réunion très importante. S'il te plaît, est-ce que ça ne peut pas attendre jusqu'à ce que je... Mon cœur, ça ne t'empêchera pas de la réunion. Mon cœur, s'il te plaît. D'accord. Je serai tout à toi dès mon retour. Je te le promets. D'accord. Allez. Je dois partir. Je me prépare rapidement. Ensuite, je reviens. Avec toi, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Mon ventre. Ton ventre? Qu'est-ce qu'il y a avec ton ventre? Qu'as-tu mangé? Mon ventre. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Hein? Quoi? Allez, calme-toi. C'est quoi ça? Mais parle-moi, ok? Laisse-moi appeler le médecin, ok? Je ne sais pas ce que j'ai... Ce que j'ai mangé. Je ne sais pas ce que j'ai mangé. Je ne sais pas ce que j'ai mangé, je crois que c'est une intoxication alimentaire. Intoxication alimentaire? Ouais. Sérieusement? Je ne me souviens plus très bien, mais je crois que je... Monsieur Dickey, je vais signer votre décharge aujourd'hui. Pourquoi?
Mais je n'ai pas besoin de docteur. Pourquoi voulez-vous signer ma décharge? Mais pourquoi? Tous les tests que nous avons effectués sur vous sont négatifs. Ça veut dire que vous allez très bien. Docteur, je suis malade. Écoutez, docteur, je ne me sens pas bien. Vous ne pouvez pas signer ma décharge maintenant, c'est impossible. Monsieur Dike, calmez-vous. Calmez-vous. L'hôpital, c'est pour des patients malades. Et comment êtes-vous sûr que je ne suis pas malade? Êtes-vous dans mon corps? Est-ce que vous connaissez ce qui se passe à l'intérieur de moi? Je suis malade! Vous ne pouvez pas me laisser partir, je ne peux pas, j'ai besoin d'au moins d'une semaine de repos. Je suis malade. Comme je l'ai dit, je suis sur le point de préparer vos papiers de décharge. Docteur, si vous signez ma décharge... Docteur, si vous signez ma décharge, si quelque chose m'arrive, ça sera de votre faute. Je ne vais pas bien, je suis malade. N'ai-je pas l'air malade? Docteur, je vous parle et vous me tournez le dos, docteur. Écoutez, si quelque chose m'arrive, si quelque chose m'arrive, cet homme, si vous signez ma décharge de cet hôpital et que je meurs, ça sera de votre faute. C'est quoi cette merde? Je dis à cet homme que je suis malade. Ah, oh, Émilie. Merci d'être venue. Alors, comment va-t-il? Pour l'instant, je n'en sais rien. Le médecin ne m'a encore rien dit. Mais en ce moment, il est en salle d'observation. Oh mon Dieu, ça a dû vraiment être horrible. Alors, qu'a-t-il pu manger? Je n'ai aucune idée. Il a eu une réunion avec certains collègues pour un projet, et puis, quand il est rentré, il ne pouvait même plus se tenir. C'est bon, il ira bien, d'accord? Madame, docteur, pourrais-je vous voir dans mon bureau? Ok, tout va bien avec mon mari? Votre mari va bien. Venez juste avec moi. Venez. Tu veux que je t'accompagne? C'est bon. Ok. Docteur, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que votre mari a pris? Je n'ai aucune idée. Quelle pourrait donc être la cause de son malaise? Il est rentré en se plaignant de son ventre et en s'agrippant à ses côtes. Il n'arrivait pas à se tenir debout. Mais il a mentionné comme avoir mangé quelque chose quelque part. Eh bien, votre mari va bien et il est prêt à rentrer à la maison. Oui, nous avons effectué une série de tests et nous n'avons trouvé aucune trace d'intoxication alimentaire. Eh bien, nous pensons plus qu'il s'agit d'un problème psychologique. Nous croyons qu'il a besoin de repos. Allez voir l'infirmière en chef et elle vous indiquera la marche à suivre. Ok. Vous voulez dire qu'il va bien et que nous pouvons rentrer? Exactement. Juste le repos, c'est bon. Il peut rentrer à la maison. Ok. Merci, docteur. Je vous en prie. Chérie. Hey, mon cœur, comment tu vas? Salut, bien. Salut, comment tu vas? Je vais bien. Le docteur a dit que tu peux rentrer à la maison. Je ne sais pas dans quel hôpital m'en va mener. Cet homme ne connaît pas son travail. De quoi parle-t-il? N'est-ce pas les malades pour toi? Mon cœur, je ne veux pas mourir. Ne laisse pas que quelque chose m'arrive. Non, non. Qui a dit que tu vas mourir? Mon cœur, il est le docteur et il a dit... Il est le docteur, oui, mais il n'est pas le malade. Est-il malade? C'est moi qui suis malade. Il n'est pas malade, c'est moi qui ressens les douleurs. Je ne peux pas dire, ce champagne dans mon ventre me fait encore très très mal. Tout ce que je demande, c'est de rester ici pendant une ou deux semaines pour me reposer. Ainsi, j'ai déjà appelé le bureau pour leur dire que je ne viendrai pas de si tôt. Je dois rester à l'écart de toutes sortes de travail, toutes sortes d'activités. Je suis malade. Mon cœur, je suis malade. C'est bon. Crois-moi, je suis malade. Je me sens horrible. Je ne vais pas bien chaque soir. Je suis malade. Ce champagne dans mon ventre est en colère. Ça part, ça revient. Parfois, bon. Je tousse beaucoup. C'est bon, bébé. C'est vraiment horrible. Bébé, je suis malade. T'inquiète pas. Je suis malade. Bon. Si cet homme s'il m'a déchargé, que quelque chose m'arrive, comment peut-il me dire ça? C'est bon. Comment peut-il dire que je vais bien? Pourtant, je suis malade. Désolé. C'est bon. ça va. Je suis malade, bébé. Crois-moi. Je suis malade. Ce champagne part et revient, va et revient. Bébé? Comment tu vas? Que fais-tu? Je réponds au message.
Bébé, 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 voyons. Arrête. Bébé, tu sais que j'ai envie de toi. Tu sais à quel point j'ai envie de toi. Mon cœur. J'ai envie de toi plus que tu n'en as envie de moi. Mais je ne peux pas le faire maintenant. D'accord. Je viens de sortir de l'hôpital et le docteur a dit que je ne dois rien faire de vigoureux. Pendant au moins une semaine, s'il te plaît, sois compréhensive. Tu étais là, n'est-ce pas? Tu as vu tout ce que j'ai traversé. Bébé, j'ai besoin de toi. Prie et jeûne. Comme ça, je pourrais reprendre le travail. Tu vois, je travaille depuis la maison. Je dois aller bien. Et une fois que c'est fait, alors tout ira bien. Je te le promets, allez, ne fais pas cette mine. S'il te plaît, bébé, je ne veux pas voir ce visage. Emily? 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 Allez, viens là. Ne t'en fais pas. Je te le promets. Dès que je serai bien, alors toi et moi pourrions faire le rock'n'roll. Écoute, je ne comprends pas. Oh, tu comprendras dans quelques semaines. Ah! Oh mon Dieu! Waouh! Écoute bébé, j'étais au sommet au travail aujourd'hui. Ah! Alors il faut fêter ça, ok? Tu sais, j'aimerais que tous les jours soient comme celui-ci. Ah! Tu sais, bébé, j'étais vraiment génial aujourd'hui, hein? C'était magnifique, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Je me suis placé pour ma présentation, j'étais à un autre niveau, hein? Dès que j'ai pris la parole, je les ai amenés très très loin. Waouh, tout le monde était impressionné, les partenaires étrangers avaient de sourires aux lèvres. Notre conseil d'administration, tout le monde a des réalités et pour une fois de ma vie, je me suis senti vraiment vraiment bien. Tu vois ce que je veux dire? C'était comme un enseignant qui parle à ses élèves. Et devine quoi? Et dès que j'ai fini, je suis juste retourné à ma place et croisé mes pieds juste comme ça. Waouh! Comme le boss! Hein? Devine quoi, chérie? J'ai personnellement reçu le mandat de dépasser personnellement. Bébé? Est-ce que tu m'écoutes? Je t'ai écouté. Allez! Quoi? Michael, nous devons parler. Parler de quoi, Emily? Michael, c'est quoi le problème? Il n'y a aucun problème. De quoi est-ce que tu parles? Qui suis-je pour toi? Ma femme. Ta femme? Suis-je vraiment attirante pour toi? Vraiment attractive, Emily. Tu es une bombe à couper le souffle, Emily. Vraiment? Oui. Alors quoi? Quoi? Qu'est-ce qui est vraiment le problème? Michael, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait plus d'un mois depuis notre toute puissante nuit de noces. Michael, tu ne m'as pas encore touché. C'est quoi le problème? Explique-le-moi. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? C'est de ça qu'il s'agit? Oui, tout ça c'est juste à cause. Dis-moi, quel est vraiment le problème? Regarde, Emily, ceci n'a rien à voir avec toi, ok? C'est juste moi, ok? Je n'ai juste pas été d'humeur. J'avais beaucoup de choses à régler. J'avais tellement de choses en tête. Je devais planifier des voyages. Je devais planifier des réunions. Toi et moi, venant de nous marier, nous devons penser à beaucoup de choses. Écoute-moi, bébé. Tout cela est vraiment pourquoi j'irai pour moi. Mais j'irai bien. Écoute-toi un peu. Tu as eu des affaires. Tu as été occupé. Blabla. C'est censé être une excuse ou quoi? Je suis ta femme. Ta nouvelle épouse. Plus d'un mois. Tu ne m'as pas touché. C'est quoi le problème? Tu es ici à me parler des affaires. C'est quoi ça? Emily, tu es censé comprendre sans quoi?
tu hausses le ton. Je hausse le ton parce que je sens colère. Est-ce que tu réalises que je suis ton mari? Ne me crie plus jamais dessus. Michael. Arrête ça. Tu es mon mari. Alors fais ce que les maris font. Je suis ta femme. Accomplis tes tâches. Ici nous sommes mariés. Un jeune couple. Non juste, mais c'est quoi? Écoute, tout ça? Nous vivons ici comme? Es-tu mon frère ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec je toi? Je ne vais pas avoir cette conversation avec toi. C'est vraiment trop demandé. Je ne vais pas avoir cette conversation avec toi. Pas de cette façon. Non, tu vas avoir cette conversation avec moi. Michael, écoute-moi. Tu vas vraiment m'énerver avec ça. Tu vas vraiment m'énerver, d'accord? Je ne vais pas l'accepter. Michael, écoute-moi. Parler de quoi? Tu dois me dire quel est ton problème. Quel problème? De quoi tu parles? Avec toi. Michael, écoute, écoute. Je ne comprends plus rien de tout ceci. Comprendre quoi? Dis-moi ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Michael, d'abord tu es venu avec une excuse pourquoi nous ne devons pas aller en lune de miel. Ensuite, tu es devenu un peu occupé, tombé, malade, besoin de te rétablir. Et depuis lors, ça a été une liste exhaustive d'excuses sans cesse présentes. Et tu me demandes quel est le problème? Dis-moi quel est le problème. Emily, écoute-moi. C'est le mariage. Est-ce que tu m'entends? Michael. C'est le... Je suis en train de te parler, je suis ton mari. Ferme-la, mais putain. Le mariage, c'est ce que nous vivons. J'essaie de te faire comprendre ma situation. Ça n'a rien du tout à voir avec toi. Ça a tout à voir avec moi. Je suis occupé. Je suis pas bon étant présent. Tu es occupé. Et c'est à toi en tant que ma femme de le comprendre. Michael, tu es occupé. Tu es occupé. Tu es en train de me punir. Tu es occupé. Michael, je suis en train de te parler. Tu crois que je blague là? Écoute. Que veux-tu faire? Tu veux me frapper? Non, vas-y. Michael, vas-y, frappe-moi. Frappe-moi, qu'est-ce que tu attends? Fais-le, frappe-moi. Ne me pousse pas, bro. Je suis ta femme. Ne m'énerve pas. Regarde-moi, je souffre. Ne m'énerve pas. Tu es en train de me punir. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Laisse-moi tranquille. Attends, t'essayes de me dire que ton mari ne t'a pas touché tous ces temps? Hein? C'est exactement ce que je dis. Copine, je ne suis pas d'humeur pour ça maintenant. Allez, prends un truc, essaye d'avaler quelque chose. S'il te plaît, merci. Là, c'est vraiment sérieux. Alors, c'est quoi sa raison? Rien. Peut-être, peut-être qu'il ne me trouve pas attirante. Je ne sais pas. C'est vraiment sérieux. Je crois que tu devrais un peu plus épicer les choses, tu sais. Oui. Que veux-tu dire? Emily, tu connais ce truc sur les fraises spirituelles extraordinaires? Le sexe pourrait être une sorte de problème pour lui. Et d'ailleurs, cet homme a été célibataire pendant presque toute une vie, passant son temps à travailler et... Tu sais, il s'est probablement coupé une veine là-bas, tu vois, qui pourrait l'empêcher d'être viril. Belle, qu'est-ce que tu dis? Oh, tu dois montrer une nouvelle voie au mec. Ma puce, tu dois raviver la flamme mourante. Ok. Laisse-moi t'apporter un truc. Allez, meuf, détends-toi. Oh, je ne te connais pas comme ça. En tout cas, j'arrive. I don't know.
Michael! 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 Michael, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu vas me tuer? Tu vas me tuer? C'était quoi cette odeur? C'était quoi ça? Eh bien, si ce n'est que ça, je peux remonter là, éteindre les bougies. Comme ça, tu pourras revenir dans la chambre et me faire l'amour. Attends une seconde, moi, accomplir mes devoirs d'homme. Sur toi, dans ces conditions que tu viens de me mettre, oublie ces milles, je ne le ferai pourquoi pas. Tu vas devoir me donner. Pourquoi tu ne le feras plus? Pourquoi? Je ne le ferai et plus. Pourquoi tu ne le feras plus? Okay, regarde, laisse-moi te dire quelque chose. Il me faut environ 2 semaines. Minimum 2 semaines. D'accord? Pour rester seul comme ça, je pourrais évacuer cette odeur de merde que tu as mise dans mon système. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, ne me tue pas. Et qu'est-ce que c'est censé être exactement? Écoute-moi, c'est très simple. Voilà la chambre. Tu restes là et moi, quand je rentrerai, si tu utiliserais la chambre et les toilettes des invités, je me débrouille et je me mets à l'aise sur le canapé. Est-ce que c'est bon? Michael, tu mens. Michael, tu mens. Tu ne le feras pas. Tu n'oseras pas. Ok, bien. Dors sûr. Pas de problème, je vais te rejoindre et on va dormir là-bas. C'est exactement ce que nous sommes censés faire. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, je vais te rejoindre où que tu veuilles dormir. Nous sommes mari et femme et nous faisons les choses ensemble. Dormir ensemble, prier ensemble, manger ensemble, tout faire ensemble. Alors si tu veux te coucher là-bas, je vais te rejoindre. Hé, madame, retourne-toi. Regarde ce canapé, c'est du cuir italien. Est-ce que tu comprends? C'est très fragile. Michael, je... Et ce n'est pas conseillé pour toi et moi. Est-ce que je suis ta femme. Là, je vais dormir. Et tout ce que tu peux avoir dans cette maison, t'appartient à toi. Je ne sais même pas pourquoi on a cette conversation. Aussi. Donc tu veux te battre avec moi? Oui. Donc tu te battre. Je suis prête pour toi. Peu importe où tu veux rester. Tu veux rester dans la cuisine? Pas de problème. Je vais t'y rejoindre. Est-ce l'obligation de le faire? Oui. Même quand je me trouve à mort, tu veux toujours le faire. C'est une obligation. Accomplis ton devoir d'homme. C'est simple. C'est trop demandé. Je t'ai épousé, ok? Je t'ai épousé parce que je voulais une campagne et non pour du sexe! Ne me tue pas! Continue de parler. Quand tu seras fatigué, nous allons rester où tu veux, mon chéri. Oh, bien! C'est même mieux. Ne me touche pas! Comme tu es obligé! Hé! Hey, laisse-moi tranquille! Quelles sont ces manières? Imbécile, tu es incapable d'assumer ton rôle de mari. Pourquoi as-tu mis aussi long? Je devais m'assurer que j'avais les bons médicaments. Tu les as eus? Oui, voilà. Mets-le dans sa nourriture ce soir. Ça marche comme par magie. Il ne va pas s'enlacer de toi et tu le supplieras d'arrêter. Tu en es sûre? Je suis sérieuse. Je l'ai utilisé quelques fois sur mon Anderson. Tu sais quoi? Dès que tu mettras ça dans sa nourriture, vas-y, couche-toi sur le lit et attends-le. Tu n'es pas sérieuse. Tu es stupide. T'en fais pas, cette fois je l'assume. Oh mon Dieu. D'accord, allons-y copine. Michael, non, tu ne peux pas dormir. Michael! Michael!
Non, pas encore. Non, non, non. Je peux pas. Michael! Non, mais tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas... Michael! Oh. Mais... j'ai pourtant fait ce qui m'a été dit. Ça doit être la blague la plus chaude du siècle. Je ne plaisante pas. J'aurais aimé que ce soit une blague. Écoute, tu dois faire quelque chose à propos de ça. C'est hors du commun. Que peut-il bien avoir? Attends. T'as utilisé les médicaments comme je te l'ai indiqué? Je ne l'ai pas seulement mis dans la sauce. Je l'ai également mis dans les bas. J'ai été surprise quand je suis entrée dans la chambre. J'ai vu Michael dormir, couché, épuisé sur le lit, ronflant plus que d'habitude. Je le jure surtout que cet homme te trompe. Oui, il te trompe. Non. Non, non, non. Non, ce n'est pas possible. Arrête de te tromper. Cet homme passe sans doute du bon temps là-dehors. Tu le crois? Je le sais. Écoute. Regarde autour de toi. C'est comme le nez au milieu de la figure. Et tu seras très aveugle pour ne pas le voir. Non. Non. Michael n'est pas comme ça. Non. Michael est du genre... maison, bureau... Il ne fume pas. Il ne boit pas. Il n'a même pas d'amis. Ok. Alors comment? Il est du genre boulot, boulot, boulot. Michael n'est pas comme ça. Il est du genre boulot, maison, boulot, boulot, boulot. Ah! Il est grand temps que tu tournes ton attention vers son lieu de travail. Regarde, ce n'est pas comme s'il ne pouvait pas être impliqué dans une sorte de romance au bureau. Oui. Hey! Mais c'est quoi ça? C'est quel genre de problème ça? Calme. En quoi est-ce que je suis mêlée? Hey, Emily, en quoi est-ce que ça me concerne? Emily, calme-toi. C'est bon, nous allons en parler. Regarde, assieds-toi, assieds-toi. Calme-toi. Écoute, ce n'est pas le moment de te morfondre. Tout ce que tu dois faire maintenant, c'est avoir toutes les informations dont tu aurais besoin sur cette étrange femme. Et donnons-lui une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Pense-y. Comment peux-tu me dire que tu vas rester aussi longtemps sans que ton mari ne te fasse l'amour? Ça veut dire quoi? Il y a un truc qui cloche. Quelque chose ne va pas. Réfléchis bien. Prendre son téléphone et parcourir ses messages, son répertoire, dernier appel, des mèmes dans WhatsApp et BBM. Vérifier qui a reçu le plus souvent les messages de lui. Thank you.
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire? Michael, tu ne sortiras pas de cette maison jusqu'à ce que tu me dises pourquoi tu as refusé de me toucher depuis que tu m'as épousée. Emily, ce n'est pas le bon moment pour ce genre de conversation. D'accord. J'ai cette réunion d'affaires importante avec les investisseurs. Je te dis qu'ils venaient aujourd'hui. Et comme tu peux le constater, je dois gérer les embouteillages pour y être. Pouvons-nous le faire une autre fois? Et tu crois que je ne le sais pas? Bien sûr que si. Et c'est exactement pourquoi j'ai choisi ce jour. Alors, si cette réunion importante signifie n'importe quoi pour toi, tu ferais mieux de commencer à parler. Sinon, pense à te préparer à passer la journée entière avec moi ici. Tu as choisi le mauvais moment, Emily. Je dois partir. Tu crois que je me soucie? Dis-moi un truc. Michael, as-tu l'idée du traumatisme psychologique et émotionnel que tu m'as fait subir pendant tout ce temps? Es-tu au courant de ça? Est-ce que tu le sais? Emily, ce sont les affaires. Et toi, tu es ma femme. Toi et moi vivons sous le même toit et je suis très sûr que nous pouvons décider de choisir la meilleure heure pour avoir cette conversation et je suis sûr que toi et moi pouvons trouver un moyen de résoudre tout ça. Mais s'il te plaît, ne me fais pas rater cette réunion importante avec mes investisseurs. Je t'en supplie. Est-ce que je peux partir? Tu sais quoi, en fait? Vas-y. C'est bon. Vas-y. Peu importe où tu veux aller. Vas-y. Fais-toi plaisir. Ok? Vas-y. Bella, je ne suis pas confortable avec ça. Pourquoi? Emily, ça, c'est ton meilleur coup. Les gens le font tous les jours. Et ils s'en sortent. Bella, je peux pas tromper mon mari. Personne ne te demande de tromper ton mari. Ok, d'accord. Cet homme là-haut est un homme responsable. Tout ceci restera secret. Il n'y a absolument rien de responsable avec un homme qui veut coucher avec la femme d'un autre homme. Oh. Je ne peux pas. Non. Ce n'est pas bien. Emily, ton mari est là dehors en train de s'amuser. Et toi, tu es ici à te morfondre. Je ne peux pas prouver cela. Oh, je vraiment? Je ne suis pas sûre qu'il me trompe. Je sais. Oui, je sais. Que quelque part, quelque chose ne va pas. Je suis vraiment certaine que quelque chose ne va pas. Mais je compte le découvrir. Ouais. C'est de ça que s'agit le mariage, pour le meilleur et pour le pire. Je vais aller découvrir le problème, quoi que ce soit. Amène-moi hors d'ici. Pas de problème. Je suis la mauvaise personne maintenant, n'est-ce pas? Non, je suis désolée. Allons-nous en ici. C'est bon. Emily, je t'en prie. Quoi? Est-ce que tu as essayé de lui parler? Mon père, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai parlé, bagarré, prié, jeûné, tout. Et pourtant, rien n'a changé. Es-tu sûr que tu connais tous les contours? Peut-être qu'il a des problèmes au travail. Ça n'a rien à voir avec le travail. En fait, le travail est une bénédiction pour lui. Ce n'est pas le travail.
Bien, sœur Emily, je pense que tu devrais y aller doucement. Je parlerai avec lui, ok? Mais pour le moment, il faudra que tu sois un peu plus patiente avec lui. Tout ira bien, ok? Ok, merci mon père. Pas de quoi. Fais-moi une prière. Au nom du Père... Et du Fils et du Saint-Esprit. Viens. Voilà. Le voici, bébé. Je t'ai apporté quelque chose de vraiment joli. Tu sais, voyant ta beauté, j'ai cherché quelque chose qui pourra, tu sais, qui marchera. Tu veux l'essayer? Pourquoi? C'est une voiture, bébé. Je sais que c'est une voiture, mais à quoi ça sert? C'est un cadeau. Du mari à sa femme. Un cadeau de ma part, oui bébé. J'ai envie de toi, pas d'une voiture. Michael, ne le comprends-tu pas? Michael, pourquoi me punis-tu de la sorte? Bébé, je ne comprends pas honnêtement. Comment aller là dehors et te chercher un joli cadeau comme celui-ci a l'air d'être une punition. Je ne te punis pas. Je n'ai pas besoin d'une voiture. J'ai envie de toi, je veux pas d'une voiture. Je veux mon mari, pas d'une voiture. C'est quoi chérie, ça? Chérie, est-ce que merde. Tu veux? Mon cœur, est-ce que tu peux au moins? C'est quoi cette fille? Dans quoi est-ce que je me suis mêlée? Michael est-il un ritualiste ou quoi? Quelle est vraiment son excuse pour ne m'avoir pas touchée depuis qu'il m'a épousée? Ça a été d'une excuse à l'autre. Tout dans le but de ne pas avoir de rapport intime avec moi. Avais-je tort de l'épouser? Ou est-ce que j'étais tellement pressée que j'ai oublié de prendre certaines choses en considération? Mais Michael était l'homme le plus gentil. Qu'est-ce qui se passe? Non. Non. Je ne vais pas rester là et croiser mes bras. Je vais faire tout ce qui est nécessaire pour me sortir de cette misère que je me suis imposée. Je peux pas rester là à jouer les victimes pendant que Michael va de l'avant avec sa vie comme si tout allait bien. Non. Je ne peux pas te dire grand-chose sur mon enfant parce qu'il a quitté la maison très jeune pour pouvoir construire sa propre maison. Donc Tu peux pas dire s'il y a certaines femmes dans sa vie ou si l'une d'entre elles a pu tomber enceinte de lui. Honnêtement, je ne sais pas. Tu sais que Michael est très discret. Mais puis-je savoir pourquoi tu me poses toutes ces questions? Maman, je pense que quelque chose ne va pas avec Michael. quelque chose comme quoi? Comme quoi, par exemple? Maman, tu ne vas pas me croire. Michael ne m'a jamais touchée depuis que nous sommes mariés. Maman, je suis sérieuse. Même pas une fois.
Michael. Mmh. Je veux la vérité. Quelle vérité? La vérité. Vérité, vérité. La vérité. La vérité sur tout ce qui se passe dans cette maison. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu caches? Dis-le-moi. Michael, s'il te plaît, commence à parler. Ne me stresse pas. Commence à parler. Michael. Emily. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que tu sais de quoi je parle. Regarde-moi très bien. Michael, je ne plaisante pas. Arrête de m'énerver. Arrête de m'énerver. Parle maintenant. Emily, je... Très bien. Nous allons parler, mais une autre fois, s'il te plaît. Non. Maintenant. Michael, maintenant. Je ne suis pas intéressée par ta nourriture. Qu'elle commence à parler maintenant. Michael, je deviens folle. Commence Emily, à parler. Regarde. Ne me fais pas parler de travers, ok? Je mange. Je parle d'un truc. Oh mon Dieu, il parle de la nourriture. Ne me parle pas de nourriture. Comment oses-tu? Emily, calme-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, Emily, s'il te plaît, calme-toi. Michael. D'accord, pas de soucis, ok? S'il te plaît, calme-toi, s'il te plaît, s'il te plaît, calme-toi, Emily, calme-toi. Si je ne veux pas voir encore à quel point j'en ai marre, comment s'il te plaît, parler. Fous le camp, dégage. Calme-toi. Ne me demande pas de me calmer. Calme-toi, s'il te plaît. Michael. D'accord, bien, bien, je vais parler. Parle. Je vais parler, s'il te plaît, assieds-toi. Assieds-toi, bébé, je vais parler. Je vais parler. Assieds-toi, je t'en prie. Peux-tu te calmer, s'il te plaît? Commence à parler, s'il te plaît. En grandissant, Emily, faire du vélo. Dans ma génération, était signifié quasiment tout. Et en ce moment, partout où tu partais, tu devais avoir un vélo. Et c'était vraiment chose facile pour mes parents parce qu'on avait vraiment, vraiment les moyens pour acheter un vélo. Et pour les gens qui ne pouvaient pas avoir un vélo à cette époque, les autres qui le pouvaient, et mes pensées qu'ils ont eues. Une enfance gâchée. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de vélo. Comme certains d'entre nous dont pouvaient nous en procurer nos parents. Tu vois, on nous respectait, c'était comme un énorme privilège. Donc je conduisais partout. J'aimais faire du vélo. Même où je ne devais pas y aller, j'y suis allé. Je conduisais mon vélo sur la route et il y avait un véhicule qui venait de l'autre côté. Après que j'ai essayé par tous les moyens de prendre soin de moi, Emily ne m'abandonne pas. Emily ne m'abandonne pas, d'accord? Je suis impuissant. Quoi? Oui. Ah. Je n'ai pas pu te le dire. Michael, tu blagues, n'est-ce pas? Tu es en train de blaguer. J'aimerais que ce soit le cas, ma chérie. Tu es en train de blaguer. Mais c'est la vérité, je ne sais pas où les choses ont mal tourné, mais je ne peux pas changer le passé. Je ne peux pas oublier mon passé et j'ai frappé un sol vraiment, vraiment fort. Et je sens que j'ai détruit mes testicules. Je ne sais pas. Mais je souffrais tellement qu'on m'a mis dans une clinique locale qui était très haut placée à cette époque.
Michael, arrête. Arrête, s'il te plaît. Émilie, j'ai souvent été jeté hors des hôtels. J'ai souvent été déshonoré et embarrassé par bon nombre de mes petites amies. Je suis allé en enfer et j'en suis revenu. Tu t'imagines? Ça a été un calvaire, c'est quelque chose dont je suis pas fier d'en parler. Merci. Mariam! Oui? Est-ce que je peux t'aider? Qui est-ce? De quoi parles-tu? Oh, lui? Excuse-moi, mon amour. Est-ce la raison pour laquelle tu ne décrochais pas mes appels? Je ne pourquoi pas devrais-je? Tu ne décrochais pas! S'il te plaît, je t'en prie. Ne me dis pas ce que je t'en prie. Bien sûr que je le fais. Pourquoi je ne devrais pas? Ai-je l'air d'une lesbienne pour toi? Dis-moi, ai-je vraiment l'air d'une lesbienne? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Dis-moi, quand un homme ne peut pas accomplir son devoir en tant qu'homme, cela fait de lui une femme comme moi, n'est-ce pas? Et je ne suis pas le genre de femme qui aime être avec d'autres femmes. Alors, s'il te plaît, va te chercher ailleurs. Ou mieux encore, va te chercher ton genre avec qui tu pourras jouer. Comme tu peux le voir, voilà un véritable homme. Tu es juste comme moi, mec. Prends soin de toi. Chérie, allons-y. Ok, chérie, alors. J'ai continué de vivre comme ça jusqu'à ce que j'ai perdu tout sentiment de confiance sexuelle que je n'ai jamais eu. Et puis j'ai réalisé que je devais juste m'habituer à ma situation actuelle. C'est juste le fait que je ne peux pas avoir d'érection. Qui est le fait que... Je ne peux pas faire plaisir à une femme. Je vais devoir rester comme ça pour le reste de ma vie, Emily. Cette douleur, j'ai vécu avec. Tout d'abord, j'y ai fait face. Pendant près de 14 ans de ma vie. Non, non. Voilà exactement l'homme que je suis, celui qui se tient devant toi. Es-tu en train d'essayer de me dire que tu ne fonctionnes pas là-bas? Je veux l'entendre, dis-moi. Hey! Michael, tu blagues. Tu blagues, Michael. Michael, tu blagues. Michael, tu blagues. Je suis désolé. Vraiment désolé. Impuissant? Oh, cet homme est méchant. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? Comment a-t-il pu accrocher une femme dans sa misère sans avoir la courtoisie de la prévenir? Oh mon Dieu, ma puce, c'est bon, arrête de pleurer. Je me sens tellement horrible. Oh non. Je me sens horrible, je ne sais pas comment sortir de là, je ne sais pas. Calme-toi. J'ai juste...
J'ai attendu pendant longtemps pour me marier avec un homme non fonctionnel. C'est bon. Jusqu'où ira le pire? Comment suis-je censée me tirer de ces... C'est bon, ça va, ma puce. Tout ira bien. Je te promets. Oui, tout ira bien. Et dis-moi comment. Oh non. Comment vais-je sortir de cette situation? Et comment suis-je censée la régler? Tu sais quoi? Demande le divorce. Oui. Oh. Mais c'est quoi cette bêtise? Non. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je viens à peine de me marier et maintenant je devrais songer au divorce. Comment? Je ne peux pas. Il doit y avoir une autre alternative. Je suis sûre qu'il n'y a pas d'autre issue. À moins que tu vives avec une femme à l'intérieur et cherches un homme dehors. Toi et moi savons comment ça s'est terminé la dernière fois. Je ne peux pas tromper mon mari. Allez, arrête de pleurer. Je ne peux pas le tromper. Je ne peux pas divorcer. Je ne peux même pas supporter le regard chuchant du public. Ma mère mourra de honte. Je ne peux pas. Tu ne sais pas comment je me sens là. Ça va aller. Calme-toi. Écoute, Emily, ce que je te dis est très simple. Nous ne devons pas impliquer une tierce personne dans cette histoire. Ta mère n'est pas un tiers. Elle a le droit de savoir pourquoi son fils ne lui a pas redonné un petit-fils. S'il le fera de toute façon. Je te demande pardon. Emily, qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis en train de te parler, Emily. Qu'est-ce que tu as signé? Ce que je suis en train de te dire, c'est que... je ne suis pas prête à traverser ça avec toi. Avec ma bouche fermée. S'il y a la moindre chance d'obtenir de l'aide, je vais tout faire pour la demander. Emily, toi et moi, nous sommes mariés et femmes, d'accord? Nous sommes un couple. Tout ce que je dis, c'est que nous devons être distraits avec des choses pareilles. Pas les dévoiler. Pourquoi nous traversons ceci en premier lieu? Être discret. Michael, peut-être, juste peut-être, si tu avais parlé à certaines personnes de ta situation difficile, tu aurais pu obtenir l'aide dont tu as besoin. D'accord. Tu mets la faute sur moi. L'aide dont j'ai besoin. Eh bien, c'est pour cela que je t'ai parlé de ça. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as publié dans le tabloïd pour que tout le monde puisse le voir. Je l'ai aussi partagé avec un neurochirurgien qui pourra nous aider. Qu'y a-t-il de mal avec ça? Michael, dans tout mariage sans enfant, dans cette partie de la société où nous vivons, la femme supporte tout. Et je ne suis pas prête à traverser ça. S'il te plaît, laisse-moi conduire. Fais selon ta guise. Merci. Ça me rassure. Monsieur Dickey, on vous a envoyé ici parce que votre cas concerne la moelle épinière. Et vous avez ce qu'on appelle une complexion mineure de la moelle épinière,
qui est mineur, c'est pourquoi vous pouviez encore marcher. Mais il a à son tour affecté votre tissu rectal. Et cela nécessite un processus neurochirurgical qu'on appelle décompression de la moelle épinière. C'est une bonne nouvelle, vous avez 70% de chance de retrouver votre forme. Et tout le personnel de cet établissement a, disons, 95% d'expérience dans cette chirurgie. Alors, nous vous amènerons au processus élémentaire avant la chirurgie. Et une fois que cela sera fait, nous espérons avoir de bons résultats. Il y a de l'espoir. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Alors, comment se porte mon amour de mari ce matin? Je vais bien. Je me porte vraiment bien. Ok. Et comment va-t-il? Arrête d'être ridicule. C'est quoi ton problème? Hein? Je veux juste... Non, je sais bien. J'apprécie beaucoup. Mais regarde, le docteur a dit 2 semaines. Mais je ne suis ici que depuis 5 jours. N'est-ce pas? C'est comme entre 14 et 18 jours. Ok, d'accord. Mais je vais continuer à veiller sur lui. Ah... Je ne suis ici que depuis 5 jours. C'est bon, c'est bon. C'est déjà l'heure de prendre tes médicaments. Mais quelle heure est-il encore? Est-ce que je ne viens pas l'en prendre? Ouais, il est déjà midi. Alors, je vais chercher ta nourriture. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Attends, détends-toi. Tu veux me faire Fais-moi une surprise? Fais-moi confiance, chérie. Tu veux me faire une surprise? Tu vas l'adorer. Très bien. Comment va ton mari? Il va bien. Je sais que nous avons encore quelques semaines pour qu'il se rétablisse. Mais on continue à garder la foi et espérer que tout se passera bien. Je suis sûre que ça va arriver. Tu sais que tu mérites le meilleur pour tout ce que tu as fait pour ton mari. C'était attendu de ma part. Mais fais-moi confiance. Ça n'a pas du tout été facile. Je comprends. J'espère qu'il t'appréciera pour tout ce que tu as fait pour lui. Parce que, honnêtement, je pense que si les rôles avaient été inversés, il n'aurait pas fait pareil. Être une femme n'est pas une aventure facile après tout. Merci beaucoup pour ton amour et ton soutien. Pas de quoi, chérie. Je suis vraiment reconnaissante. C'est nerveux. Que tu aies été là pour moi. Allez, à quoi servent les amis? Ne dis plus rien. Bébé. 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 Quoi? Encore, s'il te plaît. Je suis fatiguée. Tu es fatiguée? Oui. C'est quoi le but du mariage?
Bébé, je suis fatiguée, s'il te Maintenant, plaît. Maintenant, tu te plains. Je l'ai fait toute la nuit. Bébé, permets-moi juste de me reposer. Maintenant, tu te plains. Hein? Tu te plains, n'est-ce pas? Non, ne bouge mais pas. Mais arrête! Je me souviens du moment où tu me dérangeais chaque jour pour le sexe.